juste voulu faire différemment et on se rend compte que ça plaît à plein de gens différents et c'est ça qui nous motive. Il y en a qui écoutent principalement du futur, il y en a qui viennent de l'électro super pointu, il y en a qui viennent du hip-hop. Il y a même des gens dans la mode qui sont plus attirés par le concept graphique que par le son et le line-up en tant que tel. Et donc voilà, c'est ça notre idée, c'est de fédérer autour des valeurs qu'on peut représenter. En fait, c'est parti d'une boiler room. Ça nous a tous fait dire, on n'a pas envie de faire de rap, on n'a pas envie de faire d'électro, on a vraiment envie de faire le mix des deux. Les grands axes, c'est vraiment hip-hop dans tout ce qui est rythmique, clairement. Et il y a la touche électro dans tout ce qui est après mélodique, dans la sonorité des claviers, la sonorité même des percussions maintenant. On ne cherche plus à reproduire un vrai instrument. Tout est purement électronique, c'est une sorte d'hybride. Le futur a grandi en Californie dans le courant des 5 dernières années au vu de la culture hip-hop qu'ils peuvent avoir et l'envie de se développer, de se diversifier en adoptant justement le côté électronique et en l'adaptant à ce qu'était leur racine, le hip-hop. Il y a des clubs de dingue à Paname. Et pour nous, l'idée, c'est de faire toujours ailleurs, toujours différemment. Amener le public partout dans Paris et dans les plus beaux clubs comme on a pu le faire déjà avec le Faust, le Wanderlust, le Palais de Tokyo, la Cité de la Mode et du Design. On a la chance d'avoir des lieux pareils. On se sent proche des cultures urbaines, du skate et du graph, mais parce que tout simplement les valeurs sont proches de ce qu'on veut faire. Il y a un côté je skate où je veux, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses aussi. On veut faire la teuf un peu où on veut, dans des endroits comme eux, voudrait faire les meilleurs spots possibles. Il y a un côté libre d'une certaine façon, un aspect esthétique, et voilà pourquoi on se retrouve pas mal dans cette communauté là. Ce qui définirait le style Future Beats, c'est juste des prods. Donc tu entendras quelques chops de voix, ça va être très très découpé. Souvent tu as beaucoup de samples, donc tu récupères des petits bouts de voix sur des tracks à droite à gauche que tu remanipules à ta manière pour en faire quelque chose qui va être complètement différent. Et puis après, tu as des trucs vraiment propres à ce style, c'est-à-dire que tu vas mettre plus de basses dans d'autres styles musicaux, avec des drums aussi que tu entends plus que le reste du son. Des snares fortes, des kicks qui sont forts. Ouais, je dirais que c'est toute une manière de composer ton son qui ne se faisait pas jusqu'à maintenant. Après, il y a plein de mecs qui sont très bons et qui méritent d'aller plus loin. L'idée de Temple, c'est aussi de réunir tous les gens de cette scène et d'exploser tous ensemble. Être les dignes représentants du futur sound, à nous d'écrire l'histoire.